Hey yo les potes, c'est Ekar et aujourd'hui je vous invite à regarder cette vidéo pour obtenir un skin gratuitement, celui de Thanos. Et oui, ça a été donc leaké cet après-midi et officialisé du coup il y a peu de temps du coup sur Fortnite. Et oui les gars, parce qu'on voit directement dans l'onglet compétition qu'on a du coup la coupe Thanos. Donc je vais vous parler de comment obtenir le skin et du coup en quoi consiste la cup et comment s'inscrire, etc. En tout cas les potes, avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et du coup à mettre le code créateur Bokuni en boutique, ça nous aiderait énormément, merci à tous ceux qui le mettront. Voilà donc les potes, le code créateur Bokuni, B-O-K-U-N-I, voilà. Du coup les gars, cette cup aura lieu donc le 21 juin, donc elle se déroulera aussi en duo, donc faudra forcément avoir un partenaire ou en trouver un sur différents streams, voire peut-être en amont venir si vous voulez sur mon Discord. Il y a du coup une catégorie où vous pouvez trouver des membres et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui voudraient participer. D'ailleurs les potes, n'hésitez pas et je vous autorise les gars à mettre du coup vos pseudos épiques en commentaire afin que des personnes puisse venir vous ajouter en ami pour pouvoir donc trouver un mate pour la cup. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça ferait plaisir et en plus vous allez pouvoir trouver des gens avec qui jouer. Donc comme j'ai dit, la coupe se déroule dans 3 jours du coup, donc le 21 juin. On va faire un petit peu donc les détails de l'événement. Donc voilà, je vous avais dit hein, les potos, c'est une cup duo uniquement, donc on va voir les détails. Alors la coupe Thanos aura lieu du coup le 21/06 de 19h à 22h en France. Si vous voulez voir du coup les différents horaires, n'hésitez pas à changer du coup la région de matchmaking dans les paramètres et vous allez du coup changer la région de matchmaking. Imaginons vous allez en Océanie et bah tout simplement vous allez pouvoir trouver du coup d'autres horaires de la cup, hein. On peut voir donc là 10h, 13h, etc. selon du coup la région où vous voulez faire du coup la cup. Rappelez-vous également que du coup vous allez pouvoir faire la cup que sur une seule région. Ne vous faites pas avoir. Si vous pouvez du coup faire donc de 10h à 13h la cup en Océanie, vous pourrez pas faire la cup brésilienne de 14h à 15h, tu vois, par exemple. Donc attention à vous, ne vous faites pas douiller sur ça, ne croyez pas que vous allez pouvoir faire l'événement en illimité, c'est pas possible. Donc sur cette vidéo aussi, info très importante qu'il n'y a pas sur le jeu et je ne comprends pas pourquoi. On ne sait pas du coup de combien à combien on peut avoir le skin, s'il y a d'autres récompenses alternatives, il n'y a aucune information, du moins sur Fortnite. J'ai trouvé l'information pour vous, vous en faites pas. Donc on peut voir donc le détail de l'information, on peut voir donc le barème de points, on peut voir tout ça, mais il n'y a aucune partie qui montre du coup les récompenses, ok. Donc moi j'ai trouvé cette information pour vous et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on est sur le site Epic Games et vous pouvez voir donc Thanos arrive, obtenez-le en avant-première avec la coupe Thanos. Et oui, donc on peut voir à peu près donc les récompenses qu'on a, mais même là en fait on ne les voit pas du tout. Donc on peut voir donc former votre duo, nanana, nanana. Donc vous avez le droit à un maximum de 10 parties en 3 heures, donc ça ne change pas des cups habituels. On peut voir aussi donc remarque, la distribution des cadeaux des nanas peuvent prendre plusieurs jours, donc si vous avez gagné vous en faites pas, ça peut prendre un peu plus de temps. Du coup pour participer il va falloir avoir un compte Epic de niveau 30 minimum et aussi avoir activé l'A2F. C'est très important les gars, si vous n'avez pas l'A2F vous ne pourrez pas participer. Si vous voulez du coup les gars, je vous mets dans la description un petit tuto comment activer l'A2F. On avait fait ça donc pour plusieurs cups, etc. Donc n'hésitez pas si vous galérez à l'activer, c'est très simple. Je vous ai fait une vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair, ok. Donc là, l'élément le plus intéressant, c'est quand on clique du coup sur consulter le règlement officiel de la coupe Thanos. Donc on peut voir qu'on tombe sur une page de règlement en veux-tu en voilà. Mais en fait, dans le règlement, il y a une partie qui est intéressante, c'est celle-ci. Donc on peut voir selon les différentes régions, qu'est-ce qu'on peut gagner et avec quel classement. Donc par exemple, on va prendre le classique, donc l'événement en Europe. Le classement du coup pour le premier jusqu'au 3375e, et bah du coup vous obtiendrez la tenue cosmétique Thanos. Alors il faut savoir que c'est les 3375e équipe,
Ok, donc finalement, ça fait plus de 6600 joueurs qui auront du coup la tenue. Donc il faut savoir aussi que toute personne, vraiment toute, si vous voulez participer avec un minimum de 8 points gagnés, vous aurez du coup l'aérosol cosmétique Thanos. Ok, donc absolument tout le monde peut avoir les 8 points. Franchement, il faut minimum faire un point par game. Donc minimum arriver top 50 sur chaque game. Franchement, c'est donné. C'est donné. Donc voilà, vous pouvez tout savoir gratuitement. Donc en tout cas, le barème de points, vous pouvez voir donc le détail, comme je vous ai dit. Je vais essayer de me bouger pour que vous puissiez voir. Donc vous obtenez un point par chaque élimination. Donc dès que vous atteignez le top 50, c'est un point. Sachez que top 50, vous êtes une cup duo, donc finalement il suffit qu'une seule équipe meure dans le terrain et vous avez un point. Comme je vous l'ai dit, c'est free, hein. Donc on a le top 44, 39 qui donne un point, on a le 29 et 34 qui en donnent 3. Très bizarre d'ailleurs, et après on continue jusqu'à 1 point, donc par classement jusqu'au top 4, et après bah 2, 4 et 6 points pour si vous obtenez une victoire royale. Donc c'est une cup où va falloir jouer énormément les kills, hein, parce que les kills vous rapporteront plus qu'un placement de classement. En tout cas moi ce que je vous conseille c'est de jouer tout ce qui est kill. Donc en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez encore plus d'informations les gens, donc n'hésitez pas à aller du coup sur le Discord. S'il y a le moindre truc, si vous voulez du coup obtenir des cadeaux gratuits aussi à Discord. Et les potos, merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne de Furonix, parce que c'est elle qui m'a permis de savoir du coup le règlement et ainsi de savoir qui gagnait quoi, etc. dans le classement. C'est elle qui a trouvé l'information. Donc on va essayer donc de cliquer sur sa chaîne YouTube. Donc elle a 1740 abonnés, donc n'hésitez pas les gars à vous abonner à sa chaîne YouTube. En plus c'est la chaîne de ma copine, ça me ferait extrêmement plaisir que vous y alliez. Donc pour vous abonner, je vous mets sa chaîne dans la description, et merci à tous les BG qui le feront. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en mode je me suis abonné à Furonix. J'essaierai de répondre à votre commentaire et ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, ciao, c'était Icar. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre le code créateur Bokuli. Ciao.